comme la friche industrielle des usines Babcock et Wilcox. Et en gros, elles sont en train de renaître, de reprendre un nouvel essor. Pour l'art, pour la culture, c'est formidable. C'est super, c'est un lieu de rencontre ici, c'est immense. Moi, je le trouve très beau. Je pense qu'il y a assez rarement des friches avec un volume pareil. Ce que je trouve intéressant, c'est d'être dans un lieu qui a été vécu. Enfin, la première fois qu'on m'a amené ici, j'étais avec les yeux brillants en me disant on peut faire des choses magnifiques. Et je trouve que patrimoine industriel, surtout d'une grandeur ou d'une beauté comme celle-là, il faut la garder. Il faut en faire quelque chose aujourd'hui. Utiliser ce lieu pour inspirer des artistes et montrer leur spectacle de manière beaucoup plus belle et plus forte que si c'était dans un théâtre. Nous avons pu investir le lieu pendant un mois et demi pour y faire trois spectacles différents. Moi, je suis particulièrement enthousiaste, heureux de cette dynamique qu'on sent naître aujourd'hui. Créer les conditions d'écrire une nouvelle histoire, c'est rendre honneur à toute cette histoire industrielle. Quel que soit le spectacle, on regarde, on voit que c'était un lieu de travail. On s'inscrit dans quelque chose, dans le territoire et dans ce qu'il faisait avant. C'est un lieu qui est resté assez conservé, bien conservé. Et du coup, il y a quelque chose qui est très inspirant. Et si on arrive à jouer avec, en programmant des artistes qui sont capables d'investir l'entièreté des lieux, ben, c'est formidable. Je suis très content de venir. Ça vaut le coup. C'est de la vie sociale, de la vie solidaire qui va reprendre.